Audio Jungle. Un cadeau de rêve. Stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Des Australiens sont ici. 100 km au niveau de l'extension, donc c'est énorme avec la banlieue. Donc voilà. Alors Sydney, ce qui est génial, c'est que c'est vachement cosmopolite. Italien, espagnol, quartier chinois, quartier hindou, il y a beaucoup de Français en Australie. Donc du coup, on se demande si on est vraiment en Australie ou pas, parce que quand tu se balades dans la rue, tu n'as pas l'impression d'être en Australie. Voilà. Donc c'est ça qui est marrant. Alors l'avantage de Sydney, c'est que tu as la montagne, juste tu as la montagne. Donc t'as les plus intenses, puis t'as les vallées, l'intervallée, et t'as aussi concrètement t'as les plages. Donc au nord t'as Manly et au sud t'as Bondi avec plusieurs plages qui se succèdent. Donc ici il y a un cadre de vie de rêve. Voilà. Donc à Sydney on trouve de tout, resto, bar, port, il y a de tout, des hostels. On s'ennuie jamais ici, voilà. Donc c'est vraiment la ville de jeunes. Alors, à Sydney par contre, la vie est très très chère, mais on peut trouver des petits boulots. À l'heure actuelle, j'ai trouvé décrocher un boulot en 24 heures, donc tout est possible, c'est ça qui est génial. Il faut savoir qu'à Sydney, il y a le port le plus, peut-être le plus port du monde, voilà, le Darling Harbour, donc là c'est un peu du lourd. Par contre, concrètement à Sydney, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est encore récent. Voilà. Au niveau de l'architecture, victorien, géorgien, art déco, art nouveau, high-tech, il y a de tout dans cette ville. Il y a des quartiers très pauvres, des quartiers aborigènes, des quartiers riches. Si on va vers le nord, on a Vaucluse et Rose Bay. Donc là, c'est les gens les plus riches d'Australie. Donc c'est ça qui est dingue. Donc maintenant, voilà, donc toute introduction. Donc je pense, à travers mon expérience, que Sydney est la plus belle ville du monde, mais pas en termes d'architecture, mais en termes de climat, de bien-être. Voilà. Donc, maintenant, il va être intéressant de vous présenter l'Arbor Bridge, parce que c'est une attraction à Sydney. Qu'est-ce que l'Arbor Bridge? L'Arbor Bridge, c'est le pont le plus large du monde. 50 mètres de largeur, 8 voies, 2 trains, une piste cyclable, une piste vélo. Donc c'est complètement hallucinant quand on le voit de loin. Donc là, on peut avoir une vue rapidement de l'Arbor Bridge. Donc là, on voit la route. On voit pas grand-chose, mais bon, on fait avec. 4 kilos d'acier en dessous du pont. Il faut savoir que l'Arbor Bridge, 30 000 tonnes d'acier, c'est 10 fois plus que la tour Eiffel, voilà. Et pour peindre régulièrement l'Arbor Bridge, il faut plus de 3 mois pour repeindre l'ensemble de l'Arbor Bridge, à raison de 15 personnes. Voilà. Donc là, c'est un peu. Pour visiter l'Arbor Bridge, 3 possibilités, à pied c'est gratuit. Juste au-dessus, on peut visiter, il y a un musée, donc là vous payez 11 $, voilà. Et pour l'escalade, par contre, c'est plus dans les 150 $, mais là il y a un cadre exceptionnel, je pense que je vais le faire, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà la petite mise en route de l'Arbor Bridge. Donc c'est, j'espère que ça vous a vachement plu. Maintenant, en guise de bonus, je vais vous présenter un truc vachement important. Donc concrètement, je suis à la plage, et là mon téléphone sonne. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me changer en moins de 30 secondes. Ça, la plage. Là, je transpire, donc là. Tout à l'heure, c'est dans la rue.
Alors, tu te sens sur France. Là, tu es prêt pour l'entretien d'embauche. Dernier important, le séchage. Moi, c'est un peu plus. Le séchage, quoi. Et après, t'arrives avec ton CV et t'es prêt pour un entretien d'embauche. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine au Sydney Opera House. Vous allez en voir plein les yeux. Salut les amis. Et bien sûr, je fais une dédicace à Joanne qui a été ma partenaire pour filmer. Salut les amis.